Salut YouTube, bienvenue pour l'épisode suivant. Je sais plus le numéro, c'est pas grave. Toujours sur The Legend of Zelda Phantom Hourglass sur DS. Je tourne cet épisode à la suite du suivant en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Et on était dans le temple de glace. Du coup, on allait commencer. Eh bien, c'est parti. Alors, oui, comment qu'elle s'appelle? Si, elle est là. Donc ça, le temple de glace. Malgré la tempête de neige, il fait plutôt bon à l'intérieur. Au moins, nous ne sommes plus dans le froid. Hein. Ok. On peut pas tirer ça. Donne des cœurs. Ok. Boomerang. Ok. Très bien. Ok. Là, on va ouvrir ça. Par contre, du coup, il faut que je me mette là au milieu. Et là, on va utiliser un tchou. Ah, bien, par contre, j'en ai presque plus. Il est où? Là, en avant. Aïe! Ah! Attention, on en a. Non, attends. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais on va supposer que oui. Ok. Par contre, j'ai plus de chou. J'ai plus de missiles ténueux. Ok, là ça glisse. Est-ce que je peux... Non, non, je peux pas l'activer ça. Ah! Allez! Ok, bah faut que je descende. Je peux monter là-dessus? Oui, je peux monter là-dessus. Et ça fait fondre ça. Ok. Très bien. Il y a un coffre là-haut. Allons chercher le coffre déjà, premièrement. Ouais, chic, de l'argent. Ceux-là, à mon avis. Oh. Je peux pas les tuer. Ok. Très bien. Beaucoup de flèches. Ah, faut les tuer à la flèche. Très bien. Boing boing. Il reste un coffre. Carte. Un coffre. On note, toujours. Et là... Quatre leviers à tirer pour découvrir le chemin. Le sage tire d'abord sur celui qui est le plus à gauche. Ok, alors du coup, non, pas ça. Carte. Ouais, ils sont où? Ils sont là, je crois. Ouais.
Ensuite, là, il n'y a rien. Ah! Ok. Là, je peux pas y aller. Tire celui qui est devant la langue en second. Devant la langue, c'est lequel qui est devant la langue? C'est celui-là. Donc ça, c'est le 2. Ok. Carte. Donc 2. M'aide pas beaucoup tout ça. Comment je fais pour aller à l'étage? Comment je fais pour aller à l'étage? Ah si, par là. Ah bah non, je peux pas y aller par là. Observons un petit peu la carte. Ah, bah non, attends. Si, là-bas, peut-être qu'il y a quelque chose. Là. J'avais pas vu. Une ligne vers le nord doit être tracée. Ce levier en dernier doit être tiré. Et donc, c'est lequel? Donc c'est celui-là. Donc 1, 2, et du coup 3 et 4. Ok. Toi, ouais, toi t'es plus là. Ok. Non. M'a fait tomber ça le prix. Ça glisse, hein. Pas notre truc. Ça fait quoi? Attendez. Bien. Ah non, c'est pas là. Ok. Non, je peux pas atteindre l'autre. Alors attendez, faut que je le note qu'il y en a un là, carte.
Ouais, il est juste dans la même direction. Ah, sinon, attendez, attendez. Ah, mais j'ai plus de chou! Bon. On va descendre. On va descendre, on va descendre. On va récupérer le coffre là. Peut-être que c'est des choux qu'il y a là-dedans. Pas du tout. On a baissé là-bas, il y a un truc là-bas aussi. Ah, d'ici, ok. Ah, mais là, je les vois pas. Ah, mais... Attendez, je peux avancer par là. Debout sur le sol bleu, le sage suit les nombres que voici. 1, 2, 3, 4. Il y en a un là. 1, 2, 3, 4. C'est ça? Ah mais sinon avec le boomerang, je suis con. 1, 2, 3, 4. Yes. Donne. La petite clé. Ok. Petite clé, petite clé. On n'avait qu'un coffre qu'on a récupéré, du coup on va effacer. Bon, on peut tout effacer en fait. Et du coup il faut remonter par là. Ok. Étage sûr. Un peu plus compliqué déjà. Oh, là, y a du mob. Je vais prendre ça parce que je pense que ça va être des miglous. Gagné. Il y en a combien? Aïe 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 aïe. Ok, celui-là c'est fait. Là, donne le rubis. Ah, oh, j'ai pas le temps de récupérer le rubis. Oh, un gros coffre. Serait-ce le grappin? Oh yes, le grappin! Le grappin. Ah, je l'avais pas vu. Ok.
Donnez bon. Ça ouvre quoi? Ça ouvre les deux? Pas du tout. On est de retour au début là. On est de retour au début. Faut que je me mette en face. Ok, d'accord. Bombe. Ok. Je peux m'accrocher à ça? Ouais. Ça va. Le raccourci. Ça a pas fait dégeler, hein, donc. Boing boing. Combien de coffres? Quête du funambule. Tu sais ce que ça veut dire? Tu dois traverser sur la corde raide instable. Ou ça, tu peux en faire une avec. Ah, ok. Donc si je fais ça et ça, trop bien. Ok. Mais là, je peux pas y aller, il y a ça qui gêne. Carte. Coffre. Non, on s'en fout. Ok. Toi, il va falloir mourir, merci. Très bien. Et là-bas, on doit avoir une clé, j'imagine. Ah! Mais c'est trop court. Je peux le tirer d'ici? Oh, trop bien! Allez. Ok. La clé. Et on peut revenir par là. Très bien. J'ai récupéré la clé, mais je suis pas allé à gauche là-bas, donc je voudrais aller à gauche d'abord. Hi, stop. Oui, ça on s'en fout. On n'a pas été là. Alors attends, descends d'abord. Je voudrais faire ça. Ça fait quoi? Ok, c'est pas pour maintenant. Là, je peux pas ouvrir ça. Ah, attendez. Est-ce que je peux faire ça? Ou non, 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 ranger. Boomerang. Quoi? Très bien. Ensuite, flèche, toi, tu dégages, et j'ai vu qu'il y en avait une autre là-bas. Ah, merci. Et là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres trucs là? Visiblement, on peut ouvrir là. Ok.
va se mettre un peu loin, histoire que s'il y a besoin. Ouais, j'ai bien fait de me mettre loin, dis donc. Comme ça nous laisse du time. Waouh, mais attends, je sais pas comment y aller là-haut. Ok, je sais pas comment y aller. On verra après, on verra après, on verra. Je vais aller chercher ce qu'il y a là-haut, d'abord. Je sais pas comment y aller, donc on verra après. Parce que là-haut, en fait, je pensais qu'il y avait un escalier, mais en fait, pas du tout. Il y a un coffre et on peut... Ah, on peut taper le machin, ok. Une goutte de force. Sagesse, pardon. Pardon. Ok. Toi. Voilà. Donc celui-là, il est définitivement dans le côté bleu. Hein. Par là, monte. Ah merde, je pensais que j'étais dessus. Descends, descends. Voilà. Par contre, là, y a-t-il un truc? Comment je suis censé aller là-bas, moi? Ah, ok. On va faire ça comme ça. Bon, d'ailleurs, il va falloir que je revienne parce que je vais pas y arriver du premier coup, mais c'est pas grave. On voit déjà la porte du boss, hein, là-bas. Combien il y a de coffres? Il n'y a plus un seul coffre. Ok, parfait. C'est bon. Et t'as chaud. Ouais, gauche, ça a l'air d'être un cul-de-sac. De toute façon, je peux pas aller à droite. Donc, ok. Toi, tu dégages. Ok. Bah non. Comme ça. Ok, il y a un boss. Enfin, un mini-boss. Qu'est-ce que c'est? Un miglou. C'est bon. Facile. Facile. Ok. Aïe! Ah, ça m'a coupé là. Ok. Allez, descends. Elle est où? Ok. Je préfère me débarrasser de ça, sinon ça va me faire chier. Ok. Des coffres ici? C'est facile de faire des bonds de géant, tu dois juste t'habituer à utiliser la corde d'une autre manière. Trop bien, j'adore, 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 j'adore. Ok. Pour le moment, ça va, c'est
relativement simple. Ok. Par là. Et bah non. Quoi? Ah, par là peut-être alors du coup. Boing boing. Ah, il y en a trois. On sait déjà où il y en a un, ça va être la clé du boss. Trois coffres. Toi, tu dégages. Ok, il y a un chemin à droite. Tiens, qu'il y a quelque chose là. Ça m'étonnerait, mais. Est-ce que je peux monter comme ça? Oh oui, trop bien, je peux monter. Mais ça m'amène nulle part, donc Osef. Bon, voyons voir. Là, il faut une clé. Ça, c'était sûr qu'il allait y avoir ça, là. Dégage. Merci. Débarrassons de doute. En bas. Je pense qu'à mon avis, on peut pas y passer. Il va falloir qu'on passe à droite avant. Ah, par contre, je peux aller là. Ok, très bien. Alors. L'idée de base était bonne, hein. Ok, ensuite on va là-bas. Et ensuite on va là-bas. Et là on descend. Ok. Mauvaise idée parce qu'il fallait d'abord taper ça. Hein. Ça va, on a le raccourci. On recommence. On monte. On va là. On va là. On prend l'arc. Et on tape. Ensuite, par ici. Ah, j'ai peut-être une idée. Parce que là, ça redonne des flèches, hein. J'ai peut-être une idée de comment faire. Si je me mets là et que j'active mon grappin, est-ce que mes flèches rebondissent aussi? Oui, les flèches rebondissent aussi. Bah voilà. Un coffre. Qui donne une petite clé. Carte. Du coup, il en reste deux, sachant qu'il y en a un, on sait où il est. Hein. Donc ça nous a donné une petite clé. Une petite clé à utiliser ici. On va prendre les bombes parce qu'il y a des miglous. Il n'y a pas que des miglous. Allez. Meurs. C'est bon. Un coffre? Yes. Ah oui, ça nous ouvre tout là, dis donc. Ok, et du coup, carte, on va tout effacer parce qu'on sait où est le dernier coffre.
Voilà, tellement d'argent. Hop, maintenant on peut passer par là. Très bien. Bah, de toute façon, oui, c'est assez facile, hein. Je sais pas pourquoi tu me le montres. Ah! Alors attention, attention, parce que celui-là, il va me faire chier sinon. Facile. Facile. Là. Oula, attention par contre. Facile, facile, mais ça glisse hein, quand même. Ok, et là ça nous libère ça pour aller chercher la clé du boss. Ok. Ça c'était sûr. Attendez, attendez, attendez. Raccourci. Prenons le raccourci. Hop, et la clé du boss est ici. Logiquement, parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. Allons-y. Par ici. Un donjon, on le fait assez rapidement, j'imagine, quand même. Vas-y, mets-moi la lumière bleue. Voilà. Au niveau des cœurs, on est full. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, visiblement. Ok. On va garder le grappin, parce qu'il va être utile, à mon avis, pour faire le boss. Oula. Oh oui, je me souviens de ce boss. Ah, j'aurais préféré ne pas m'en souvenir. Oh là là là. Pas ce boss. C'est boss. Dragon bicéphale. Ok. Merde. Je sais qu'il y a un truc à faire, mais... Ouais, j'ai eu. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave. C'est bon? Ok. Qui c'est qui tire en premier? On a cassé son... On a cassé les deux. Ah! Voilà. C'est bon. On a tout esquivé. Alors, du coup, je pense qu'on arrive sur la deuxième phase maintenant, non? Ils font toujours la même chose? Pardon. Mais non!
Ok. Ah! Viens là, toi. Ah non, d'accord, ok, faut que je l'accroche à un poteau. Faut que je l'accroche à un poteau. Ok. Non. Très bien. Ils vont se... Elle est dans l'eau là, non? Pas trop trop dur ce boss. Une fois qu'on a compris la mécanique, globalement... Descends, 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 descends. Descends, voilà. Ok. C'est bon. Allez, vas-y, attaque. Même pas peur. Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas réussi. Encore toi? Oh, je crois qu'on en a tué un. Moi qui n'ai jamais joué au jeu Poké récemment sur DS, je suis à chaque fois épaté de l'apport du deuxième écran pour certaines phases de jeu. Comme là où tu vois les serpents sur l'écran du bas. Ouais. Là, c'est juste génial, hein. Pokémon Ranger pour les captures sur l'écran du bas. Ah ouais, non, mais l'écran tactile sur certaines. Là, sur Phantom Hourglass, c'est juste génial parce que tu sais, on sert aussi du micro par moment. Donc, c'est juste génialissime. Malheureusement, sur les jeux 3DS, l'écran tactile, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Hop. Et bien, du coup. 2 minutes de plus, on va pouvoir récupérer un coffre. Et j'imagine qu'il y a l'aquanine qui est là-haut. Un cœur en plus? Merci. Je découvre en 2020-2021 que les DS 3DS sont des bonnes consoles. Ah ouais, non mais... Ce sont des très bonnes consoles. Voilà. Et la quanine. Du coup, il nous manque plus que la... Je sais plus le dernier. Le dernier minerai. Cette île n'a pas été de tout repos, mais cela en valait la peine. Yes. On va pouvoir retourner à la sortie. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire sur cette île avec le grappin. Ah, bah t'es de retour toi. Salut. On dirait que t'as mis les pattes sur l'aquanine. Bien joué, mec. Je m'appelle Haru. Ah, mais c'était lui qui s'était fait capturer. Je me faisais mon pot-au-feu tranquille quand ce Miglou s'est jeté sur moi. C'est peut-être parce que tu as découvert ce Miglou imposteur, mais les gardes qui me surveillaient se sont relâchés et je me suis enfui. Alors, merci. De rien. Je suis sûr qu'il y a des trucs hein, par là. Je peux aller à droite là? Non, peut-être depuis l'autre côté par contre. Ensuite, en bas. Ok, je peux aller à droite. J'aurais dû d'abord finir ce qu'il y avait à gauche, je pense. De toute façon, il y a un truc là au bout. Non, il n'y a rien là au bout. Oh, je suis déçu. Je suis très déçu. On va retourner et puis je vois qu'il y a des trucs sympas à faire. Là, il y a des trucs. Là, il y a un truc.
Descends. Descends. Allez. Non, descends, j'ai dit. Merci. Hop, et là je pense que d'ici à... Ah oui, là-bas. Et genre là on n'a rien. Non, non, j'y crois pas. Tu vas me dire que ça me sert à rien ça? Oh non, je suis tombé. Ils ont tous repop, donc ça veut dire qu'ils... Attends, 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 tant qu'on est en bas. Ah, mais on peut leur parler maintenant? Ah, trop bien. C'est comme si nous avions été contrôlés par une volonté maléfique. Maintenant que tout est redevenu normal, nous nous sentons un peu coupables. Désolés pour tous les problèmes que nous avons causés. Oh, trop mignon. Alors là, il y a deux coffres. Ok, alors là, hop. Carte 2, ici. Descends. Ah, c'est pas possible, ça. Là. Là, lui on le monte dessus. Monte. Là. On peut aller là-bas. Mais je veux pas. Moi je veux d'abord aller là-bas. Tac, donne ça. Pièce de bateau? Ok, alors rubis rouge. Rubis rouge aussi? Ouais, ça valait le coup, hein. Très bien. Ensuite, par là, il y a quoi? Ah. Monte. Monte. Voilà. Oh. Un rubis vert. Là, on a ça. Et là, on revient au début. Donc, très bien. Ok. Une goutte de force. Je pense qu'on a tout vu. Ouais, ça devrait être bon normalement. Que là, il n'y a rien sur les... T'as quelque chose à nous dire? Nous aimons le froid, ok. Écoute, fais comme tu veux. Et toi? J'ai mangé trop de bon, mon estomac. Ah. C'est peut-être un peu ma faute, mais... Fallait que c'était nécessaire. Ok. Alors, ici. On ira voir le chef après. Là, je pense qu'il y a des choses à faire. Ça sert à rien. Là-haut, 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 là-haut. C'est sûr que là-haut, on a des choses à faire à 100%. On va aller à droite, déjà. Ok. Bon, là, clairement, là. Oh! C'est la richesse, ça! Un gros rubis doré, 300 rubis. Trop bien. Ça, c'est de la richesse. Hein. Ah, oui, bonjour. Trace une ligne entre ici et la maison du chef de l'île. Quelqu'un a enfoui quelque chose au milieu, mais est-ce encore là? Au milieu, c'est où? C'est par là, là? Par ici? Non. Ah. Oh. Ça serait où?
Attends, j'ai bien tracé une ligne droite, hein. Peut-être plus en bas, au final. On va d'abord aller à gauche, là-bas. Là. Là, il y a quoi? Ok, bon. C'était évident qu'il y avait quelque chose. Une carte au trésor. Ok. Ah. Monte. Pourquoi je peux pas y l'atteindre? Non, c'est juste moi qui suis pas doué. Toi. Tu connais le vieil aventurier qui habite sur l'île Bonan? Ouais. Il a enterré quelque chose de sympa devant sa hutte. Les personnes font de drôles de choses. Alors, attends. Carte Marie. Non. Ok. Et juste devant sa hutte. Ok. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. De toute façon, il va falloir qu'on aille le choper, lui. Pas, pousse-toi. Ok. On récupère la pelle parce que du coup, il faut qu'on creuse à la moitié, là. Donc, ça doit être par là. Ah, je crois que ça doit être ça. Ok. On a quoi d'autre à faire? On va aller leur parler à eux d'abord. À lui. Elle t'a servi cette aquanine? Non, ok, bon, c'est juste pour ça. Très bien. Et on a encore un coffre à gauche. C'était où? C'est là. Il ne manque plus qu'un objet. Hein. Ok, une goutte de sagesse. Très bien. Bah, je pense qu'on est pas mal. Lindbeck. Tu as réussi à ramener le minerai. Youhou! Ce n'est pas le moment de faire la fête. On n'est pas sorti de l'auberge. Je ne trouverai pas le repos tant que nous n'aurons pas les trois. Cap au large, ouais. Il faut qu'on trouve les grenouilles, hein. Faut qu'on trouve les grenouilles. Le problème, c'est que là, on sait pas où aller. J'ai bien envie d'aller là-bas voir lui, là. Avec un peu de chance, on va tomber sur une grenouille. Ennemi en vue. Où ça? Ah! Attends, ennemi en vue. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est parti. Carte marine. Je suis où? C'est là. Du coup. C'est bon, c'est noté. Ouais, j'ai pigé. Voilà. Merde, l'autre il est en train de se barrer là. Ok, une fois qu'on l'a ciblé, normalement tout se passe bien. Et là, il y a clairement quelque chose entre les, au milieu de ces trois îles. Hein. Ennemi en vue. Non, c'est faux. Pas d'ennemis en vue. Et oui, on a bien sûr qu'on accoste le bateau. Le magasin a été refait, bienvenue à notre grande réouverture. Je n'ai pas menti, j'ai fermé la boutique, je l'ai redécoré et voilà. Ok, très bien. Je veux ça.
Je veux ça. Et ça coûte combien? Non. Trop cher. Ciao. Alors, route. Ici. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille là. Ah, bah si, je sais où est-ce qu'il faut qu'on aille. Très bien. Allons-y. Route. Ennemi en vue. Où est-ce qu'il est? Oh, il m'énerve, c'est... J'arrive pas à les taper, c'est... Les requins, là. Ah, j'ai eu. Non? Ah non, il est encore là. Bon, c'est bon. On arrive sur l'île. L'île Bonne Pelle. Oh, tu sens l'odeur du trésor qui flotte sur cette île. Va fouiller partout et reviens pas bredouille. Ouais, merci. Très bien. Là, y a rien. La fortune vous attend. Un simple coup de pelle peut changer votre vie. Creusez le sol et déterrez des tonnes de rubis, c'est ça l'île Bonne Pelle. L'entrée ne coûte que 50 rubis. Une seule règle, il faut t'arrêter au 10e trésor trouvé. Tu gardes tout ce que tu trouves, mais n'oublie pas de t'arrêter à 10. On va tenter. Parmi les trésors se cachent quelques pièges. Alors, nous quitteras-tu en ne gagnant ou perdant? Ah, t'aurais pu le dire avant ça. Très bien. Oh, je suis sûr qu'il y a des trucs rares à trouver en plus. Ah, j'ai trouvé un truc. Un roupir, très bien. Non. Trop bien, un rubis. Ça commence à me revenir cher là. Oh! Wesh, c'est quoi cette chance de tomber que sur des roupirs? Ah, une carte au trésor, ça c'est bien par contre. On a trouvé une carte au trésor, c'est déjà pas mal, mais... Ouais! Plus qu'un. Ok. Le problème, c'est qu'il nous dit pas si on a tout récupéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder pardon. Ce qu'il y a à récupérer là-dedans. S'il y a d'autres choses à récupérer, sachant que j'ai trouvé une carte au trésor. Il y a d'autres trucs. Il faudrait qu'on retourne sur l'île Bonhomme aussi. Parce que je me souviens qu'il fallait qu'on utilise le grappin. En fait, il y a plein d'endroits. Look où? Oh bah, je sais pas, Google est ton ami.
C'est l'île Bonne Pelle. On est sur l'île Bonne Pelle. Et regardez ce qu'il y a sur cette île. S'il y a d'autres choses qu'une carte au trésor. Je vais peut-être pas le faire maintenant parce qu'il y a peut-être des astuces qui vont être données plus tard. S'il y a d'autres trucs. À mon avis, il y a d'autres trucs qu'une carte au trésor. C'est obligé. D'ailleurs, on en a combien des cartes au trésor? Statue quête. On en a 12. Faudrait que j'améliore aussi mes choux. D'après le site où je suis, je vois la carte pas plus. Ok, bah alors j'ai eu ultra de chance de le tomber dessus directement. On a perdu beaucoup de rubis, mais c'est pas grave. Alors, le problème, c'est que là, on sait pas où aller. J'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe là-bas en bas. Ennemi en vue. Où ça? Oh non, pas encore un. Voilà, merci. Ennemi en vue. Où ça? Droit devant, en l'air. C'est eux. C'est bon. Toujours checker s'il n'y a pas des grenouilles qui pop, hein. Là-bas, il y a l'île déesse. Ennemi en vue. Où ça? Là-haut. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Hein. Ah bah elles sont... Ok. Il y a l'air de rien y avoir par ici. Par contre, on va pouvoir... Oh. Comment ça? Il y en a deux? Il y en a un deuxième, il y en a un deuxième. Moi, je serais d'avis. Je vois pas trop où on peut aller. On va aller piocher là-bas. Par contre, tu me fais peur, toi, vraiment. Putain, il fait mal. Allez. Putain, mais ça suffit, oui. Je vais crever, hein. Je vais crever, voilà, je suis mort. Je suis mort, j'arrive pas à les tuer ces machins, c'est horrible. Bon, c'est pas bien grave. Il nous ramène là. Au final, on sait qu'il y a rien là-bas en bas. On va venir piocher là-dedans. Parce que je pense qu'à mon avis, ce qui m'étonne, c'est qu'on peut toujours rien faire au niveau des gorons. Attends, 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 arrêtez, arrêtez. Retournons sur l'île déesse là. Et au pire on fera demi-tour. Et je pense qu'il doit y avoir une grenouille quelque part dans le coin, mais où je sais pas.
ça c'est Ligoron. L'île DS elle devrait pas tarder d'apparaître en face. Ou ça ennemi en vue. Non, ils ont vu des pop instant. Ah oh non. Attention. On l'a atteint avant. Est-ce que là c'est bon? On peut. Ils ont fini de travailler ou pas? Manque d'employés. Et si on allait retourner sur l'île Goron pour essayer de trouver un employé qui pourrait l'aider? Ça peut être une bonne idée, non? On va aller sur l'île Goron. On va retourner sur l'île Goron. On tourne en rond là, hein. Clairement on tourne en rond. Mais bon. Bon, j'espère qu'on va pas se faire agresser par les requins encore. Alors déjà, quand il y en a qu'un, c'est un enfer, mais quand il y en a deux, d'un coup... Ah ! Ah ! Reviens ! Quoi ? Mais non ! Où ça, ennemi en vue ? Ça me va comme ennemi. Je vais essayer de rechoper la grenouille là. Pas moyen. J'arrive pas à la viser hein. Oh je l'ai eu, je l'ai eu. Ok. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 grenouilles, il m'en manque 2 et je pense que les 2 elles sont dans la partie nord-est. Ok. Ouais, j'ai tout pigé. On est parti. Il y a des ennemis qui pop des fois, tu sais pas. Ouf. Là, je vais le laisser partir lui. On va longer l'île Goron. Là on voit sur la droite on a le machin bizarre là. On peut l'attaquer. C'est pareil là, il y a 3 bateaux de pirates. Récupération. Alors. Ok. Ok.
C'est bon. Réussi. Récupération réussie. Un morceau de bateau? Le problème, c'est que je vois, je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille là. Je me promène, mais j'ai aucune info sur l'endroit où faut que j'y aille. L'île Gouron, on a maintenant le grappin. Est-ce que le grappin peut nous permettre d'atteindre... Oui, le grappin peut nous permettre d'atteindre un nouvel endroit. Tiens, toi, est-ce que tu voudrais pas aller... Non, ok. Si, mais je crois qu'il y avait un Goron qui cherchait du boulot, non? C'était lequel? C'est toi qui cherchais du boulot? Non. Est-ce que c'est toi? Ok, non, c'est pas toi, visiblement. Toi? Tu voudrais pas aller travailler? Non. Il ne me reste plus beaucoup d'options. On va aller chercher le coffre là-bas déjà. Quoique dans le coffre, on le fera en revenant. Oh, merci pour la bombe. Le coffre, on le fera en repartant. En bas, du coup. Toi, ça m'étonnerait. Non, à mon avis, c'est pas ça qu'il faut faire pour débloquer l'île déesse. Ah, je vais te révéler un ultime secret, Gouron. Tu vois l'ombre Gouron? Ah, mais non, ça, on sait. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un truc spécial dedans. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce qu'on en raffole. Ok, très bien. Ouais, l'ombre de Gouron, c'est du caca de Gouron, quoi. Tu veux pas aller sur l'île DS, toi? Non, bon, tant pis. Simplement, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, faut peut-être que je trouve un Goron solitaire sur une île qui veuille bien aller travailler là-bas. J'ai pas d'autre explication, en fait, je vois pas comment je peux y aller sinon. Alors. Est-ce que... D'ici, je peux grappiner un endroit de ce côté. Non. Même en approchant au max. Non. Ok. Est-ce que d'ici, je peux grappiner le caillou? Ouais. Voilà. Une goutte de courage. Très bien. Bon, visiblement, il n'y avait rien d'autre à faire ici. Inbeck. Reprenons la mer. On a quelques trucs à faire quand même, actuellement. On va utiliser notre ardoise parce que là, je pense qu'on peut rien faire d'autre. On s'en fout, en avant, hop, menu, ardoise. Non. Carte marine d'abord. Carte marine, je pense qu'on va aller là-haut. On a deux coffres à récupérer. Sur cette île-là.
Visiblement, on a encore un coffre. Ouais. Sur cette île-là, je pense qu'on a des choses à récupérer aussi. Du coup, on va aller ici. Alors, du coup, c'est quoi? C'est un N à l'envers. Ça marche, hein? On avait pas testé encore ça. Oh ouais, trop bien. Trop fort. On commence par là. On va faire, ouais, on va faire comme ça. Très bien. On va faire les deux. Oh, vous allez pas me faire chier longtemps, vous, par contre. Voilà, ils ont tous coulé. Récupération. C'est parti. Alors. En gros, si je reste à ce niveau-là, normalement, on est pas mal. Dis donc, va falloir se détendre là quand même. Ça va être chaud là, dis donc. Et là, normalement, faut juste que je reste à ce niveau-là, normalement. Normalement, si je reste là, on est pas mal. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors. Qu'avons-nous ici? Un morceau de bateau encore, j'imagine. Ah non, du sable de vie, on a gagné 1 minute de plus. Ok. Route. Viens là. Ok, récupération. On est reparti. Attention. Restons à ce niveau-là. Là, on est pas mal. J'ai l'impression que c'est exactement. Ah, attention, là, il y en a un. Il y en a qui nous poussent. Mais si on reste à ce niveau-là, on est plutôt pas mal après. Ouais, je sais pas pourquoi il a pas voulu aller. Oh, raté en plus. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. On recommence. Là, j'ai fait n'importe quoi. On a perdu un PV en plus. De toute façon, on ira se soigner après. Mais pas une raison, quoi. Thank you.
Voilà. T'es beaucoup plus facile qu'il n'y paraissait. Hein. C'est moi qui fais de la merde. Et là, on a quoi du coup? Une pièce de bateau, ok. Par contre, je l'ai pas récupéré l'autre, je viens de me rendre compte. J'étais pas tout à fait dessus. C'est pour ça que j'ai du sable de vie en fait. J'étais pas dessus. Bon, c'est pas grave. On va aller faire cette île là et puis en repartant, on va le faire. On va le faire. Tain. Tain, tain, tain. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas la map ici. Mais on avait un truc à récupérer à un endroit, je me souviens. C'est où? Oh, c'était où? Où est-ce que c'est? Il me semble qu'on avait besoin du... Du grappin à un endroit. C'était où? Je me souviens plus. Là-haut? Dégage. Non, non, tais-toi, tais-toi. C'est là-haut? C'est où? Mais je suis sûr qu'on avait besoin du grappin pour obtenir, pour avoir un... Ah mais c'était pas à l'intérieur. C'était peut-être à l'intérieur. Si, c'est là. Ok, très bien. Ah, il m'a fait tomber. Oh, décidément. Voilà. Une goutte de quoi? Ok. Est-ce qu'on peut voir combien il y a... Est-ce qu'il va me redire combien il y a de grenouilles, là, le chef des grenouilles? Grâce à l'ardoise des tornades, chevauche les vents et rit des distances. Il y a un symbole différent pour chaque endroit où les tornades peuvent te mener. Demande les symboles à mes grenouilles d'or un peu partout dans les mers. Attire leur attention à un coup de canon bien placé, petit homme. Ouais, non, il ne le dit pas. Coucou panda! Bon, du coup, ça c'est fait. On va pouvoir repartir. Lindbeck. Repartons. Comment ça va, Panda? Ok. Ah bah non, c'est bon, le coffre au trésor a disparu. C'était un bug, j'imagine. Parce qu'il n'est plus, il n'apparaît plus. Carte marine. D'accord, il y est plus. Ouais. Parce que là, il y en a encore, ouais. Et là, on l'a eu. Très bien. En avant. Direction l'île Bonhomme. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On se souvient de Médusa, hein. Sur Triforce Heroes, on a la même là, sauf qu'elle se multiplie au bout d'un moment. Mais on n'aura pas le temps d'arriver au bout. Voilà, hop, tac. Alors, pas mal de choses à faire ici du coup. Premièrement, ici. Une goutte de force. Ok.
Ensuite, je veux ceci. Dégage-toi. Là. Là. Ça m'embête ça. Non, pas ça. Vous m'embêtez. Voilà, disparaissez. Ah, une nouvelle carte. Où ça? En bas. Parfait. Très bien. Ensuite, grappin. On va aller de l'autre côté. Dégage. Oh là, mais attendez, j'ai presque plus de vie là. Là, je sais absolument pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Hein. Ok. Peux avoir des cœurs. Mais j'ai dit avoir des cœurs, pas perdre des cœurs. Oh, des choux, ça c'est bien ça, j'en avais plus. Hop. Et là, par contre, on avait des choses à... ici. Ok. Une goutte de courage et un rubis vert. Très bien. Et là, pour y aller, on va utiliser la technique ultime. Boing. Oh, dis donc. Juste des stèles. Regarde la stèle à droite. Regarde la stèle au milieu. En regardant attentivement, on distingue des petites lettres. J'ai enfoui quelque chose entre les deux coffres au trésor. Très bien. Ah voilà. Nouvelle carte au trésor. Ah non, par bas à droite. Oh. Ok, bon, là, on a tout fait. On a tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Je serais d'avis de retourner voir notre cher ami l'aventurier. Et sa sirène. Parce qu'on a rencontré la sœur de la sirène plusieurs fois. Peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées. Allons voir. Non, toi c'est les poissons, on s'en fout. Et toi? Je suis la plus heureuse des sirènes, ok. Rien de très intéressant. On va retourner voir le forgeron. Et ensuite, on améliorera nos fées. Hop, le forgeron, c'est par là. L'île de Sazu. Machine avant toute. Ah, on a notre chère amie, je sais plus comment qu'elle s'appelle en bas. Je crois qu'à chaque fois qu'on finit à temple, elle réapparaît. Oh, salut. Tu vas pas rester avec nous très longtemps, toi encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'île de Sazu. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là aussi, à l'aide du grappin. Genre là. Une goutte de sagesse. Moi, je suis curieux, j'aimerais savoir combien on en a là déjà. On a... Oh, on en a 10, 11 et 13. Sachant qu'il y en a 20 de chaque, hein, donc on en a plus de la moitié déjà. C'est bien ça.
Ouais, mais ça, on avait déjà vu. Est-ce que tu saurais où est la dernière? Va dans le temple du roi des mers où se trouvent les deux dernières cartes marines. Trace un nouveau symbole sur la porte et un nouveau chemin s'ouvrira. Ok. Donc du coup, en fait, il me faut juste la dernière carte marine. Au temple du roi des mers. Oui, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Alors. On s'en fout. En avant. Menu. Carte marine. Le fil. Hop. Ok. Ça marche, ça? Oh, j'arrive pas à le faire. Ah, là ça a marché. Okay. Du coup, là. Récupération. Et parti. S'il reste à cette hauteur-là. Hop. Toute façon, ça, on s'en fout. Ok. Va se mettre à droite quand même. Okay. Hop, voilà, un coffre en plus. Kiki dans le fun absolu. Mais si, moi j'adore ce jeu. Bon, là, on fait de la pêche au trésor, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais bah, ça va bien et toi? Roue de pierre, ok, très bien. Route. Et là, on va aller par là. Enfin rentrer. Ah bah oui. 17h21 exact. Ça va, bien travailler? Ah, je me fais agresser. Ah non, c'est moi qui fonce dans les tonneaux. Je regardais pas. C'est ma faute. Je fais des bêtises. C'est quoi comme bateau qu'il y a là? Ah non, mais c'est le bateau de l'autre de Chocho là. Joseph. Dur, on doit rattraper les 2 jours où on s'est pas fait livrer. Ah! Génial. C'est génial ça. Je sais pas si t'as vu le message de Zedux sur le groupe. Alors, ah oui, ici aussi on avait des choses. On peut y aller maintenant par ici. Ça tombe bien. Hop. Alors, on va se détendre. Ça suffit. Merci. Ok. Ensuite, par là. Par là. Toi. Bouffe ça, là. Saloperie. Vas-y, aspire. Mais non. Ok.
Toi, tu vas pas me faire chier longtemps. Ok. Non. Non, mais oh. L'écran de jeu est pas trop petit. Bah, non, ça va. Après, c'est un écran de jeu DS. Hein. De toute façon, tout se joue sur l'écran tactile, donc. Hop, tac. Et du coup, on va aller pouvoir améliorer nos fées. La fontaine est remplie d'une lumière mystérieuse. Quelle goutte d'esprit veux-tu présenter? Les gouttes de force. 14, on en a. Le pouvoir de l'esprit de la force va augmenter. Viens, esprit de la force. À l'aide des gouttes d'esprit que ce garçon a rassemblées. Cherche en toi et redécouvre l'étendue de ton pouvoir. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va nous donner comme pouvoir en plus? Ah, on a l'esprit de la force amélioré. Votre épée est maintenant enflammée. Changez d'esprit à l'écran de quête. Oh, trop bien. Goutte de sagesse. Qu'est-ce qu'on va avoir là? À monter de niveau, la sagesse vous protège et améliore la protection que vous procure le bouclier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Et courage. Allez, si elle a. Améliore-toi, si elle a. Alors, hop, Vous pouvez envoyer des ondes de choc avec votre épée. Sérieusement? Attends, attends, attends. Comme ça. Peut-être en étant full vie. J'imagine qu'en étant full vie, ouais. Attends, 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 attends. Ah, on est full vie. Ah non, je l'ai pas sélectionné. Statuquette. Trop bien. Et du coup, l'épée enflammée, ça donne quoi? Oh, ça doit faire plus de dégâts aussi. Oh, trop bien. On va garder l'épée enflammée. Je dirais qu'il y a... Ouais, mais non, c'est bon. On va partir. On aura bien avancé aujourd'hui quand même. On aura bien avancé. Tiens, avance par là. Ardoise. Téléportation. On va aller chercher ceci. Ceci. Ouais, j'ai réussi ce coup-ci. Je sais plus s'il y a des choses à récupérer sur ces îles. Je suis pas sûr. Au pire, de toute façon, quand on arrivera à devoir faire le 100%, on réexplorera toutes les îles. Récupération. C'est parti.
Ok. Ça va, on est bon. Easy, 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 moi je dis. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Coque de pierre, je crois qu'on l'a déjà celle-là. On va pouvoir retourner. On va surlire le Molida. Non, c'est pas ça. L'île Melka. J'oublie tout le temps son nom. L'île Melka. On a pas mal de choses à faire, je crois, sur l'île Melka. Je sais plus si on a encore des trucs à acheter chez Terry. Faudra qu'on aille voir Terry. Ouais. On va lui acheter tout ce qu'il a à nous vendre. Alors, premièrement, ah, on a du courrier. Bon, on va aller voir le courrier après. S'il te plaît. Vas-y, répare. Merci. Alors. Modifier. Qu'avons-nous? Oh, on a déjà la proue d'or. Oh, elle est stylée, la proue d'or. Équipée. Je l'ai pas encore. J'ai cru. Je serais d'avis. Non, proue d'or, non, ça me tente pas. Je préfère avoir la proue démon pour le moment. Le but, c'est d'essayer d'avoir tout au max, en fait. Coque de fer, ouais, c'est nul. Coque rétro. Coque de pierre. J'ai deux coques de pierre. On a le canon puissant. Canon puissant, c'est le combien? 1, 2, 3. 1, 2, non, on n'a pas là. Là. On n'a pas non plus. Là, 1, 2, 3. Ok, donc coque de fer, ça en fait partie. Rambarde pieux. Très bien. Ok. Un, deux, trois. On va mettre ça. Équipé. Là, je l'ai pas celui-là, là. Non, je l'ai pas. Ah, il m'en manque, hein, il m'en manque. Et là, roue à vis, roue simple, roue de pierre, ok. Pas top top tout ça. Ton endurance a maintenant une endurance. Ah, on a gagné un truc. On est à 6. C'est pas top top, mais bon, ça fera l'affaire. Livraison spéciale, Paul fait des volants identifiés en approche. Une missive d'Aru du peuple Skimo. Voici le scoop. Kiki, yo, c'est moi, Aru du peuple Skimo. C'est vraiment cool ce que tu as fait pour moi l'autre jour. Tu m'as sauvé la vie, mec. Sauvé la vie. Le monde tourne rond grâce à toi, mon gars. Grâce à toi. Je t'envoie un petit cadeau en remerciement. J'ai trouvé à la décharge municipale. Merci, sympa. Mais ça te servira peut-être. Aru, Aru, pas Arouf, Aru. Haro même, plutôt. Une goutte de sagesse. Ok, bon, ça va. Tu t'en sors pas trop mal, monsieur le Skimo. Et c'est fini. Très bien.
Très bien. Des trucs à acheter ici? Un sac de chou. J'achète. Bon, ça, je veux regarder, mais à mon avis, c'est beaucoup trop cher. Oui, voilà. Anneau royal, bien sûr. C'est bon, je n'ai plus de sous. C'est officiel. Par contre, je vais aller te vendre un truc, toi, là. Il est où, là? C'est là. Coupe de pierre. Bon, allez, tiens, prends-le quand même. Ok, et au niveau des trésors, j'ai pas mal d'ambre goron. Non? Bah, va te faire voir alors. Ça. Non. Ça. 800 rubis? Non. Ça, peut-être. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Et les écailles Zora, j'en ai pas mal des écailles Zora. 50 rubis, ok. Bon. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on. Oh oui, si, attendez, 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 attendez. Je suis sûr qu'on a des choses à faire là. Vérifions. Par là en bas là. Regardez, regardez. Par là à gauche. Ah oui, on a quelque chose à faire là. On a quelque chose à faire par ici. On peut pas monter là-haut. Il doit y avoir un moyen de monter là-bas. Comment y aller? Réfléchissons. Comment aller là-bas? Là-haut, je peux pas. Sauf si je peux monter sur un truc. Ah, attendez, attendez. Il n'y a pas une. Ouais, mais même avec une. Si, avec une poule. Où est-ce qu'il y a une poule? Où est la poule? Où est la poule? Poule! Poule! Y'a là. Mais Kiki, il est plus hype. Ah, si, 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 si. Ah si si, dès qu'on peut, on y va. Hein. C'est juste que là, je vais pas trop réagir maintenant, mais on va y aller tout doucement. Voilà. Il y en a une, deux, il y en a plein des poules, donc ça va. Allez, dégage. Voilà. Très bien. Un collier de perles, ok. C'est pas ce que j'attendais. À gauche, je suis pas sûr qu'il y ait des choses intéressantes. Je suis en train de regarder. Non, par contre, en haut, il y a un truc. Là. Là. Là, par exemple. On n'a jamais essayé. Non. Mais. Genre là. Mais là-bas, il y a un truc, hein. On voit clairement qu'il y a un truc. Grappin. Comment on y va? Pas par là. Par là-haut, je pense. Ici. Comment on y va là-bas? Non, si pourtant ça doit bien être par là. Il doit y avoir un truc. Peut-être un autre passage. Genre, c'est où? Attends, attends.
Comment qu'on y va là-bas? Ah! Va-t'en. Comment qu'on pourrait y aller là-bas? Cherchons un petit peu. Cherchons un petit peu et on s'arrêtera. Là, on fait du secondaire. Hein. Parce que. Non, là, si je vais là, ça me ramène là où je veux pas. On va retourner là. Là, de toute façon, il n'y a rien, on est d'accord. C'est la plage, il n'y a rien de plus bateau. T'as des choses à nous dire, toi, encore? Maintenant que tu as tout nettoyé, je vais pouvoir... Ah, ok. Oh, merci, c'est gentil. T'en as d'autres, des trucs comme ça? Ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Là, peut-être que par là, on a un nouveau passage. Possiblement non. Oh, pousse-toi. Hein. Apparemment, non, il n'y a rien de plus. Mais du coup, ça devrait peut-être me faire atteindre à une zone intéressante. Est-ce que ça m'amène pas du tout là où je voulais? Bah alors du coup, c'est l'autre. C'est l'autre... Mais comment je sors de l'autre grotte là? Parce que là, il n'y a rien là dans cette grotte. On est d'accord. Il y avait juste l'épée ici. Comment je suis censé monter là-bas? Attendez, là, il y a un petit truc. Merci Panda pour les... Pour avoir contribué au défi de la communauté. Comment je suis censé aller là-haut? Là-haut, là-haut. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose. Comment je suis censé y monter là-haut? Il y a un truc. Il y a un truc, c'est obligé. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait un là et il y en a un autre par là, non? Ah non. Bon, je sais pas. Ah, attendez. Ah oui, on n'avait pas pu tout faire là, on n'avait pas tous les objets. Voilà. Voilà, meurs. Et là, du coup, ça nous amène... Ici, ok, voilà. Très bien. Une falaise toute proche à un point faible secret. Éclaire la falaise d'un rayon parallèle à la droite qui va du bar au temple. Ok, éclaire la falaise d'un rayon parallèle. Alors attendez, carte. Le bar au temple. Ok. On relit.
Un point faible secret, ok. Éclaire la falaise d'un rayon. Ok. Là, de toute façon, il nous faut l'arc. Ah, d'accord, ok. Ça peut être ça, mais je pense pas. Comme ça. J'imagine que c'est ça. Ça m'embête de descendre là et qu'au final il n'y a rien. Ici? Il y aurait un truc ici? Ah, bien sûr qu'il y a un truc ici. Alors. Très bien. Ah, ça m'emmène de l'autre côté. Ok. Ça m'emmène de l'autre côté. Très bien. Raccourci. Super. Il y a de la musique, il y a quelqu'un qui joue. Oh. Coffre. Une goutte de sagesse. Alors, toi, qui es-tu, toi? Oh là, messire! Quelle chance de faire votre rencontre, je me nomme Baril Lennon. Baril Lennon. Baril Lennon, ok, très bien. Je ne suis qu'un humble troubadour qui parcourt le monde, guitare à la main. Laissez-moi vous faire présent d'une chanson, ou plutôt une chansonnette. Voici Boîte Magique. Alors, je vais pas chanter, hein, je vous rassure. C'est une boîte pleine de magie. Mets-y pièces ou trésors. Un peu plus tard, hop, quelle surprise. Vraiment étrange, d'une main à l'autre, boîte magique surprise. Échange fabuleux. Ouais, c'est le frère de John, exactement. Dans cette boîte magique, quelle surprise, tada. J'ai pas compris. Et c'est ainsi, oui, sans mentir, que ces boîtes sont magiques. Mettez-y les pièces de bateau et les trésors dont vous ne voulez plus. Vous pourrez alors les échanger avec d'autres joueurs via le contact mode ou même le mode duel. On s'en fout en fait. Mais en fait, c'est nul. C'est de la merde. Eh, casse-toi. Casse-toi! Je pensais que c'était un truc intéressant qu'il y avait là au bout. Je suis très déception du coup. De toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Je me dirige vers le temple du roi des mers. Et la prochaine fois, on va pas prendre le raccourci, parce que je crois qu'il y a le raccourci là. Parce qu'on a mis beaucoup trop de temps. Je pense qu'on va se refaire tout le temple en entier. Pour pouvoir avancer plus. Du coup, et bien YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la prochaine fois donc à faire le temple du roi des mers. À bientôt. Ciao ciao.